Donc Emlar, c'est un projet qui est né il y a 5 ans d'un fonds d'aide aux jeunes collectifs. Aujourd'hui, Emlar, c'est donc un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, tout projet confondu. Voilà, et c'est un dispositif qui démarre généralement en fin d'année et qui se poursuit jusqu'à l'année d'après, entre avril et juin. L'objectif de ce dispositif est double, donc la création d'une œuvre collective et la mise en place d'un vernissage. Donc oui, bonjour. Donc je suis le directeur des ateliers Agora. Directeur, mais en même temps, j'en étais le fondateur, puisque les ateliers Agora ont été créés. On fête les 10 ans cette année, donc ça fait 10 ans. C'est né de la reprise du lieu Agora, qu'avec une nouvelle équipe, nous avons donc nommé les ateliers Agora. On est sur un lieu unique en Provence, en fait. Donc j'ai la charge, la responsabilité d'un lieu unique en Provence, parce qu'une librairie-galerie Salon de Tessin n'existe pas. En parallèle, donc, les jeunes sont soutenus parrain. Chaque année, le parrain est différent. Donc pour cette cinquième année de Emlar, le parrain était Monsieur Henri Ferrier, artiste sur Aiguière, voilà, et qui a fêté ses 90 ans cette année. Alors, je suis Henri Ferrier, je suis parrain de MLR. C'est même pas un rôle, ça allait de soi, étant donné les jeunes qui étaient autour, l'intérêt qu'ils ont manifesté et les promesses qu'ils représentent. Mon rôle de parrain, c'est surtout de faire plaisir et d'espérer que les jeunes auxquels j'ai affaire qu'on bénéficie de ce dont je rêvais étant jeune moi-même. Est-ce que les jeunes sont une leçon pour nous, une leçon de dynamisme, de spontanéité, enfin, même réfléchir, ce ne sont pas des imbéciles, hein. Ils sont pas nés dans la dernière pluie, il y a une candeur, il y a une puissance et une possibilité de réalisation qui peut nous servir d'exemple, qui peut nous servir de ce sens. D'une certaine façon, ils nous considèrent comme étant leurs maîtres, mais en fait, les maîtres sont faits pour être dépassés. Cette année, Emlar a été un peu particulier puisque on a à la fois eu l'objectif de la mise en place du vernissage et de la création des œuvres. Et en même temps, il a fallu que les jeunes créent également un événement autour de l'anniversaire d'Henri Ferrier pour ses 90 ans. Voilà. Alors, je m'appelle Marie-Charlotte Piludu, je suis étudiante en Master 2 Histoire de l'Art à Montpellier. J'encadre les jeunes, je les manage et je les guide dans l'ensemble de MLR en fait. Moi, ce que j'ai vu par rapport aux jeunes que j'ai encadrés, c'était qu'ils avaient acquis une certaine maturité et ils avaient pris goût finalement un peu à l'effort. Bon, pas sur tout forcément, mais sur les choses qui les plaisaient pas forcément au début, ils avaient réussi à passer outre le fait qu'ils aimaient pas forcément pour vraiment atteindre un bon résultat. Moi, c'est Tanguy Patrac, j'ai fait MLR cette année avec la mission locale. Je me suis rendu à la mission locale pour des conseils pour avoir des conseils avec ma conseillère. Elle m'a parlé de MLR que je devrais rejoindre. Moi, ça m'a donné une certaine confiance en moi et ça m'a validé dans mes idées, dans mes projets. Ça m'a donné de l'expérience dans le monde de l'art. Donc les jeunes qui participent à ce projet sont à la fois artistes et à la fois des commissaires d'exposition. Pour ce projet, il a été mis en place un concours. Donc en fait, les jeunes, pour faire venir les artistes, mettent en place un concours.
Donc là, tous les artistes sont amenés à participer à ce concours pour venir ensuite exposer après le vernissage pendant environ 3 semaines aux ateliers d'Agora. Alors, je m'appelle Mathilde Reboul, j'ai 23 ans. Depuis que je suis petite, j'ai des flashs ou des images mentales qui me viennent de manière spontanée. Et c'est des images qui parlent de moi de manière symbolique et imagée. Alors ça fait toujours écho. Et c'est thérapeutique de les sortir, de les mettre dehors, de les dessiner. Et c'est pour ça que je m'obstine. C'est gratifiant de trouver chez les autres cet écho qui est en moi. Alors moi aussi j'ai mon interprétation sur celui-là. J'ai clairement dessiné mon œil en fait, je l'ai pris en photo, donc il y a les mêmes motifs et c'est une invitation à entrer dans mon monde, dans mon univers. Alors je m'appelle Ki, j'ai 25 ans, ça fait 3 années que je fais EMLA cette année. Et donc cette année j'ai découvert de nouvelles choses que j'ai pas vues l'année d'avant, comme la peinture sur bois, la mosaïque, la peinture sur verre, la photo, puis les expositions qu'on a visitées. Il y en a que j'ai aimées et d'autres pas. Et sinon, je remercie Henri Ferrier d'être notre parrain cette année. Puis un grand merci à Nathalie et Marie-Charlotte de nous avoir accompagnés dans cette année.